La découverte de Göbekli Tepe en Anatolie, en Turquie, a fait de ce site le plus ancien site mégalithique connu au monde par la science traditionnelle. Depuis sa découverte par le docteur Klaus Schmidt en 1996, les temples circulaires de Göbekli Tepe ont changé à jamais la façon dont les archéologues considèrent les débuts de la civilisation, et ce, à plus d'un titre. En 1997, un expert en céréales, le professeur Manfred Jun de l'Université norvégienne des sciences de la vie, a commencé à étudier une zone proche de Göbekli Tepe pour trouver des preuves qui le mèneraient aux premières graines de céréales. Sa découverte de l'engrain, un ancien blé à grains unique, l'a conduit à 30 km au nord-ouest, à la montagne Karadag, la même montagne où Anton Parks a pu retracer l'histoire sumérienne du Jardin d'Éden. Jun pense que cette graine a été la première et la plus ancienne céréale connue de l'homme. De nombreux résultats de laboratoire ont prouvé que les spécimens d'engrains et d'amidonier remontent à 10 500 ans. Un article vantant son travail a stipulé que tout comme le chien a évolué à partir du loup et les porcs à partir des sangliers, nos céréales ont été considérablement modifiées par la civilisation humaine. Et si les humains avaient été également modifiés par les céréales qu'ils ont consommées? La région de Turquie appelée Anatolie a joué un rôle considérable dans l'histoire de l'humanité. Pour autant que nous sachions, c'est là que sont apparus les premiers signes d'une agriculture organisée. Ils sont apparus il y a environ 11 600 ans. Pourquoi cela se serait produit en Anatolie plutôt qu'ailleurs n'est pas une question à laquelle je peux répondre avec certitude. Sauf pour vous dire que la Terre était probablement propice à ce qui devait y être fait. Nous pouvons imaginer un groupe de chasseurs-cueilleurs qui se serait réveillé un matin, paré de toutes les compétences nécessaires pour créer ce qui s'est avéré être le plus grand site mégalithique de la Terre. Comment ont-ils développé ces compétences? Le seul moyen qu'ont trouvé les archéologues pour expliquer cela a été de suggérer qu'ils devaient être des chasseurs-cueilleurs particulièrement doués. Ils ont laissé de côté le fait que nous n'ayons aucune preuve de l'évolution ou du développement de ces compétences. Leur seule explication demeure qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs, malgré l'absence de preuves de leur activité ou de leur apprentissage, se serait réveillé un matin détenant comme par magie la capacité de créer ce site mégalithique extraordinaire, gigantesque et aligné astronomiquement. Et par une sorte d'ajout après coup, ils auraient également inventé l'agriculture. Croyez-le ou non, c'est ce que l'on nous apprend aujourd'hui à propos de Göbekli Tepe. Il est intéressant de souligner que non loin du site du Karada que j'ai localisé, se trouvait cette ville de Göbekli Tepe. Coïncidence intrigante. Nous avons également trouvé dans les textes sumériens un personnage important, la déesse Nisaba. C'était la déesse de l'agriculture, de l'écriture et de la sagesse. C'était donc la déesse des rations et du blé. On l'appelle aussi Déméter en grec. Elle a toujours été considérée comme l'une des filles d'Enki. Existait-il vraiment une déesse du blé et de l'agriculture? Si c'était le cas, cette déesse a-t-elle enseigné aux chasseurs-cueilleurs les techniques de l'agriculture? Graham souligne que cela pourrait être une preuve supplémentaire de ce qu'il appelle le programme de sensibilisation. Comment pouvons-nous mesurer tout cela? Comment pouvons-nous le replacer dans un certain contexte? Selon moi, nous recherchons davantage de preuves qu'il existait une civilisation avancée dont nous avons perdu la trace. Nous avons oublié une partie très importante de notre histoire et des fragments de cette histoire surgissent partout dans le monde. D'après moi, il s'agissait d'un programme éducationnel pour les chasseurs-cueilleurs à l'époque de ce que nous appelons le paléolithique supérieur, au cours duquel ils ont appris des compétences types qui les ont transformées en une véritable civilisation. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les survivants d'une civilisation perdue, presque anéantie lors de l'épisode cataclysmique survenu il y a 11 600 ans, ont choisi l'Anatolie comme l'un des endroits où s'installer pour tenter de reconstruire ou de recréer ce qui avait été détruit.
Nous avons la preuve qu'une civilisation avancée a existé. Une ou plusieurs civilisations avancées, des cultures sophistiquées, ont vu le jour avant la fin de la dernière ère glaciaire. Cela daterait d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Une catastrophe naturelle se serait produite en 9700 avant Jésus-Christ et nous aurait fait sortir de l'ère glaciaire. En rassemblant des preuves, j'ai déterminé que ce qui a causé cette catastrophe en 9700 avant Jésus-Christ était une importante explosion solaire. Nous pouvons voir cela comme des éruptions solaires, mais beaucoup plus importantes que ce que nous avons pu connaître à notre époque. Ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, qui s'apparentent à d'énormes éclairs, ont frappé la surface de la Terre, fait fondre les glaciers presque instantanément. Cela a libéré une pression, mis en place une activité sismique et déclenché une activité volcanique. Nous savons aujourd'hui que l'activité volcanique et l'activité sismique sont en corrélation avec l'activité solaire, même à l'heure actuelle. Mais une énorme explosion solaire comme celle-ci était beaucoup plus intense. Ces peuples anciens ont-ils survécu à un cataclysme si puissant qu'ils se sont mis à reconstruire une nouvelle société nécessitant un nouveau type de nourriture près du monument ancien le plus important de l'époque? Les premières preuves de la culture de céréales sont apparues dans le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne. Les céréales existaient déjà avant, mais nous parlons ici de la culture de céréales, c'est-à-dire un type de céréales légèrement différent, qui a évolué ou changé, quelque chose de nouveau dans les céréales, qui a permis de les planter, qui a permis aux gens de s'installer et de ne plus être nomades. La civilisation doit donc être datée à partir de ce développement, de cet événement. Tout tourne autour de la graine de céréales. Est-il possible que la révolution agricole ait débuté près de Göbekli Tepe parce que les humains désiraient rester près du site et que, pour ce faire, ils ont dû nourrir les gens qui avaient migré vers cet ancien endroit après un cataclysme? Les anciennes méthodes de cueillette du blé sauvage pour se nourrir n'ont-elles pas suffi à une telle population dans une seule région? Comment la culture d'une quantité énorme de récoltes a-t-elle pu se développer? Billy Carson suggère qu'une intervention a pu avoir lieu. Un terrible cataclysme a éparpillé l'humanité et les pré-adamites dirigeaient l'humanité à cette époque. La plupart des pré-adamites sont morts lors de ce cataclysme. Ceux qui ne sont pas morts se sont dispersés tout autour de la Terre et ils se sont mis à rétablir les civilisations et à rassembler les humains pour leur apprendre l'élevage et la culture. En plus des céréales, le maïs et beaucoup d'aliments que nous récoltons aujourd'hui ont été génétiquement modifiés par ces groupes non terrestres. Ils ont été amenés ici depuis une autre planète et ont été génétiquement assemblés avec des plantes indigènes. La raison pour laquelle nous pouvons l'affirmer est que lorsque nous étudions les archives historiques à la recherche de fossiles, nous ne trouvons aucune évocation de ces blés ou de ces herbes génétiquement modifiées. Seules les herbes sauvages apparaissent. Ces cultures semblent être apparues du jour au lendemain dans les archives historiques et les historiens ont localisé d'anciennes céréales en Anatolie. Quelles sont donc les chances que ces céréales aient vu le jour au même endroit que l'humanité? Une ancienne civilisation a-t-elle pu modifier génétiquement les plantes terrestres? Si c'est le cas, comment cela a-t-il modifié l'ADN humain? La nourriture et son lien avec la structure de notre ADN peut démontrer l'existence d'une interaction avec ce que certains appellent les Anunnaki, avec cette intelligence non humaine. En lisant les anciennes tablettes sumériennes, nous découvrons qu'il existait une déesse qui était généticienne. C'est à partir de ce moment-là que presque toutes les graines de céréales sont apparues sur Terre. Avant cela, nous n'avions tout simplement rien. Nous ne trouvons aucune trace au-delà d'une certaine période. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce stade que les civilisations anciennes ont explosé. Lorsque ces graines de céréales sont apparues, toutes les anciennes civilisations ont commencé à apparaître. Au début, il n'y avait rien. Puis, tout d'un coup, des civilisations se sont suivies. Elles ont découvert les mathématiques, la culture, elles ont construit des monuments, elles ont réalisé des exploits agricoles. Tout cela semble pouvoir être assimilé à l'introduction de ces graines de céréales dans notre ADN, car elles ont affecté l'ADN humain, à l'époque, par le biais de différentes expériences. Une grande partie de tout cela pourrait représenter l'origine des lignées babyloniennes. Les lignées ou les élites ont-elles été créées à la suite de la culture du blé? Si c'est le cas,
Est-il possible que la première hiérarchie ait vu le jour au sein de la population humaine entre ceux qui cultivaient la terre et ceux qui en tiraient profit? Si les humains n'erraient plus dans la nature pour trouver leur nourriture comme ils l'avaient fait en tant que chasseurs-cueilleurs, alors ces humains sont-ils tombés dans un système qui les a rendus dépendants de la culture de la nourriture pour survivre? Des preuves pourraient-elles nous ramener au Jardin d'Éden? Tous nos écrits semblent définir ce Jardin d'Éden comme étant le berceau de la civilisation, alors qu'il semblerait qu'il ait plutôt été le berceau de la re-civilisation. Une civilisation antérieure était tombée, et après le cataclysme, il a fallu tout reconstruire. C'est comme ça que tout a commencé. Mais le concept de Jardin d'Éden est essentiellement une métaphore représentant le retour de l'ordre à la surface de la Terre. Cela fonctionne à un certain niveau. À un autre niveau, nous pouvons aussi imaginer un Jardin d'Éden physique, avec l'élevage d'animaux et la croissance de cultures céréalières, qui prennent alors tout leur sens. Toutes ces choses ont vu le jour dans une sorte d'environnement ordonné. Et par nature, en interagissant avec cet environnement ordonné, les gens sont eux-mêmes passés de la barbarie à l'ordre et à la perfection. Les êtres à l'origine de ce concept semblent avoir été des êtres humains, ou des êtres nous ressemblant, mais différents malgré tout. Ils sont souvent décrits comme étant très grands. Et ils savent apparemment comment domestiquer le bétail et développer l'agriculture. Ils étaient donc manifestement issus d'une sorte de caste divine. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les dieux n'étaient pas nécessairement des personnes. Ils étaient des forces de la nature. Et ce sont les gens qui ont personnifié ces forces de la nature. Ils connaissaient et comprenaient le savoir ancien, qui remontait à des milliers ou à des centaines de milliers d'années. Ils auraient donc essayé d'imposer cela sur Terre, pour remettre de l'ordre parmi les humains après cette terrible catastrophe. Ils savaient comment la nature fonctionnait et connaissaient la dynamique des systèmes de l'univers. Ils s'apparentaient donc à des dieux. Voilà pourquoi nous avons imaginé que c'était le cas, mais ils ressemblaient seulement à des dieux. Ces êtres divins pourraient-ils être les personnages cités dans les textes sumériens? Est-il possible que ces êtres représentent l'élite dont parlent les textes anciens qui a fait découvrir l'agriculture à la race humaine? Selon les recherches de Jack Kerry, une bataille pour l'humanité a eu lieu entre ces dieux. Et les graines ont été la seule chose ayant permis à la population humaine de survivre. De nombreux adeptes de l'occultisme diront qu'à un moment donné, il semblerait qu'une dispute ait éclaté entre les chefs de cette intelligence extraterrestre. Lors de cette querelle familiale, Enki et Enlil ont découvert que les chefs voulaient anéantir l'humanité, car elle était à l'origine du déluge pour de nombreuses cultures. Enki et Enlil auraient été véritablement mortifiés à l'idée qu'ils veuillent anéantir complètement leur invention, cette belle créature qu'ils avaient créée. Ninma était considérée comme une reine qui exerçait son autorité sur le Karada. Elle était en charge de la colonie et supervisait toute l'installation des Anunnakis et le processus de survie sur la montagne d'Éden. Il faut savoir que Ninma était une figure centrale dans cette histoire. Elle a été reine du début à la fin et restera reine, l'une des filles de Tiamat. Elle a d'abord été l'épouse d'Enlil, mais beaucoup plus tard dans l'histoire, elle s'est rapprochée d'Enki. Nous avons découvert qu'à un moment donné, elle l'a épousé et a changé de camp. Elle souhaitait l'amélioration de l'agriculture et de la vie sur Terre de manière générale. Avant le déluge, Ninma a élaboré une banque de graines et une banque contenant le génome des animaux. Elle les a ensuite transmises à Zyuzudra pour qu'il les mette sur son navire. Ce furent donc les premières graines. C'était une sorte de musée. Il y avait plusieurs types de graines de céréales. Elle les avait entreposées dans des boîtes et elles étaient très bien triées. Il y en avait énormément. Il semble qu'après le déluge, les gens aient recommencé à planter ces graines dans les monts Zagros, qui ont été les premiers à être libérés de l'eau et de la boue. La révolution néolithique, qui a vu les humains commencer à domestiquer les plantes et les animaux,
et à ériger ces grandes constructions a été l'un des tournants les plus importants de l'histoire de l'humanité. Avant cela, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Vous et moi ne chassons plus les mastodontes aujourd'hui, grâce à ce processus de domestication qui a vu le jour à l'époque. Dans cette région de Göbekli Tepe, les choses ont changé pour nous. Selon les textes mésopotamiens, les dieux n'auraient élaboré cela que pour eux-mêmes. Ils ne cherchaient pas vraiment à aider les humains. Mais cela a tout de même eu un effet bénéfique sur nous. Cette idée d'avantage de la domestication aurait-elle pu nous être transmise par les dieux sumériens? Cela a-t-il réellement été un avantage? Ou la révolution agricole n'a-t-elle été qu'une nouvelle façon d'asservir le genre humain? Est-il possible qu'une civilisation basée sur la culture des plantes dans une région nous ait asservie dans cette région? Billy Carson détient des informations intéressantes à ce sujet. D'après mes recherches, les Anunnakis provenaient d'une pression barométrique et d'un champ gravitationnel différent. Et travailler sur cette planète était difficile pour eux. Ils ont donc décidé de modifier les êtres qui se trouvaient sur Terre avec leur propre génétique. Ils voulaient qu'on les aide à labourer la Terre et ont donc fait des êtres humains leurs jardiniers en les modifiant génétiquement. Tous les humains de cette planète ont été modifiés pendant cette période. Ils ont apporté de leur planète natale des graines qu'ils souhaitaient consommer et les ont mélangées avec des herbes pour créer des céréales que les humains pourraient récolter pour eux. Andrew Collins souligne qu'une fois que les humains ont quitté la région de Göbekli Tepe, ils se sont répandus dans le monde entier avec le même système de civilisation. À la fin de Göbekli Tepe, ces colonies ont commencé à se répandre comme des vagues et ont créé ce que l'on appelle la révolution néolithique, apportant avec elle de nouvelles idées dans les domaines de l'agriculture, de la domestication des animaux, de la métallurgie, de la production d'alcool sous forme de vin et de bière, puis des technologies de l'outillage. Ces idées ont été propagées progressivement vers le sud, l'ouest, l'est. Elles ont également fleuri vers le nord et ont fini par traverser la région du Levant, la Palestine et Israël aujourd'hui, et par atteindre l'Égypte dès 8500 avant Jésus-Christ. C'est là, non loin des grandes pyramides, ou du moins à l'endroit où elles ont été construites plus tard, qu'une colonie a vu le jour. Celle-ci possédait des outils technologiques en pierre très sophistiqués et identiques à ceux qu'on trouvait à Göbekli Tepe. Ce que l'on peut appeler une civilisation a soudainement émergé à Göbekli Tepe et dans les régions environnantes. Si les dieux sumériens ou l'élite ont recréé une nouvelle race humaine qui dépendait de l'agriculture, où pouvons-nous trouver la preuve de ce même processus autour de nous aujourd'hui? De nos jours, les entreprises de biotechnologie modifient génétiquement les semences. Il s'agit de modifier la composition génétique d'un aliment d'une manière ou d'une autre, généralement dans le but d'améliorer cet aliment. L'ADN des animaux, des virus, des bactéries, des insectes et même des humains est extrait, puis il est introduit dans l'ADN de l'aliment. Nous parlons alors d'OGM. Nous avons longtemps cru que les OGM pourraient contribuer à résoudre le problème de la faim dans le monde en élaborant des aliments qui pourraient pousser dans des climats difficiles. Cependant, certains scientifiques ont pu établir un lien entre ces semences OGM et l'obésité, le diabète, l'asthme, les problèmes de fertilité, les allergies alimentaires et même les cancers. Toutes ces maladies modifient notre ADN. Sommes-nous en train de devenir une forme humaine différente aujourd'hui à cause de ces nouveaux aliments? Lorsque nous étudions le mystère du vide, tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer, mais dans un contexte plus large. Nous savons déjà que l'ADN humain a été fusionné d'une manière qui ne peut être expliquée par l'évolution. Cela s'est passé il y a 200 000 ans, précisément au moment où les écrits sumériens évoquent que la royauté venue du ciel est arrivée sur Terre. En tant que scientifique, je ne peux pas affirmer que l'un était dû à l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il existe une très forte corrélation
Entre les archives affirmant que quelque chose d'unique s'est produit dans la région du Tigre et de l'Euphrate en Turquie, dans cette partie du monde, et les preuves physiques que nous découvrons actuellement en termes de technologie. Par exemple, l'Anatolie, en Turquie, est une région où les études sur l'ADN des céréales qui ont été découvertes nous démontrent aujourd'hui que c'est le premier endroit où les céréales modernes, que nous considérons comme acquises, ont vu le jour, à partir d'herbes indigènes qui avaient été cultivées par le passé. La question est de savoir comment cela s'est produit. Les céréales sont-elles apparues de manière spontanée? Ou bien, comme nous le faisons aujourd'hui, ces herbes ont-elles été génétiquement modifiées d'une manière ou d'une autre? Aussi étrange que cela puisse paraître, pour certaines personnes, l'idée que nous ayons pu avoir la capacité de modifier génétiquement non seulement notre corps, mais aussi notre nourriture dans le passé, ou plutôt l'inverse, non seulement notre nourriture, mais aussi notre corps dans le passé, gagne en crédibilité auprès des scientifiques, qui sont prêts à examiner honnêtement les preuves présentées. Sean Stone suggère que l'ADN de ces graines anciennes pourrait en fait provenir d'un autre monde. La panspermie est une théorie selon laquelle les bactéries et autres organismes vivants se propageraient vers d'autres planètes à partir de comètes et autres débris spatiaux. Nous savons pertinemment que la panspermie existe. Le fait est que si les bactéries et d'autres organismes vivants peuvent se rendre sur Terre à partir d'autres planètes, alors des céréales, tout comme d'autres aliments, ont certainement pu être apportés ici. Le concept de panspermie serait un événement aléatoire. Mais ici, il s'agirait d'une action délibérée, et nous savons, compte tenu de notre histoire, que puisque nous modifions la composition génétique des aliments, que nous commençons manifestement à nous prendre pour des dieux en modifiant la structure génomique, non seulement des plantes, mais aussi des humains, il est possible qu'un certain type d'être extraterrestre ait modifié les céréales pour que la civilisation humaine se développe. Non seulement des différences génétiques se trouvaient dans les plantes, mais la consommation même de ces céréales a fait que les êtres humains ont commencé à changer. Nos dents ont commencé à changer, notre structure osseuse a commencé à changer, et cela parce que nous pouvions nous nourrir de manière régulière sans devoir chercher de nourriture. En ce qui concerne la question de la modification de la génétique, et pas seulement des aliments, mais aussi de l'homme, nous mettons aujourd'hui en place quelque chose de très intéressant, la création de vaccins à ADN. Les scientifiques ont déjà mis au point un plan pour utiliser des virus tels que Zika comme base pour introduire de l'ADN humain dans un vaccin, puis injecter cet ADN dans le corps des gens. Ainsi, l'ADN donnerait des ordres et des instructions à notre corps pour combattre le virus Zika. Mais le problème est qu'il pourrait engendrer toutes sortes de conséquences qui n'ont pas encore été étudiées ou débattues correctement, comme par exemple si l'ADN est absorbé par notre organisme, quelles modifications génétiques auront lieu? Et comment sera-t-il transmis aux générations futures? Voilà les questions intéressantes qui se posent aujourd'hui. Car nous sommes devenus de plus en plus familiers avec la nature de la structure génomique des humains et la possibilité d'élaborer les générations futures par la seule volonté de la science. Mais nous n'avons pas conscience de toutes les conséquences que cela pourrait impliquer. Car cela ne s'appliquera pas seulement à nous, mais à nos enfants, à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Ces questions peuvent en soulever une autre, à savoir que si notre ADN est modifié par la nourriture que nous ingérons et que cela remonte à une ancienne révolution agricole qui a engendré une opposition entre l'élite et les ouvriers, cela pourrait-il signifier que notre société est basée sur l'asservissement par le travail? Est-il possible que nos anciens ancêtres soient devenus un autre type d'humain lorsqu'ils ont accepté de faire partie de ce système? Cela pourrait-il expliquer l'ancienne lutte pour le pouvoir sur la population menée par des dieux sumériens tels qu'Enki et Enlil? Où pourrions-nous trouver davantage de preuves de ces forces alternatives dans le monde? Je pense que dans le passé, les figures féminines avaient mauvaise réputation. Nous savons ce qu'est la royauté. Nous connaissons les grandes batailles livrées par les hommes. Et nous savons que des civilisations entières semblaient évoluer en société patriarcale. Mais il est clair que ce n'était pas le cas à l'époque préhistorique. Il semblerait que les femmes
aient eu un rôle beaucoup plus important dans la société. Dans le prochain épisode, nous aborderons la mystérieuse disparition de la femme au sein des civilisations. Existe-t-il un lien avec une civilisation beaucoup plus ancienne qui résidait ici sur Terre ?